Alors, est-ce que je suis en live? Est-ce que je suis en live? Oui. Je suis en live. Salut Hello, salut Callboy, salut Crow, salut Tarmar, salut Mimi. Bonjour à tous. Yo yo yo. Tu le fais tard? C'est tard, 17h20? Pas chez moi. Chez moi, c'est pas tard. T'aimes le chocolat? Chacun ses goûts. Qui aime pas le chocolat? Ça existe des êtres humains qui n'aiment pas le chocolat? Alors. Non mais là ça va être le cas de tout le monde, bien sûr. Est-ce que tu vas faire un gros dessin? Alors. On va commencer par un dessin qui n'est pas un pixel art déjà, je pense. Quoique, je vais voir. Ah ouais, sérieux, Hello? T'as pas un petit stock? Bah après tu peux. Vous savez, les gens se sont rués avant le confinement pour acheter à manger, en pensant qu'on n'aurait pas le droit à manger après, mais on a toujours le droit d'aller chercher à manger, hein. Et faut pas croire que si maintenant les supermarchés sont un peu vides, c'est pas parce qu'ils sont en rupture par rapport à d'habitude, c'est parce que les gens ont changé leur consommation et ont acheté beaucoup plus que d'habitude. Mais la chaîne d'approvisionnement est tout aussi bien que d'habitude, voire même ils augmentent les productions, tu vois. Donc demain tu vas au supermarché, tu retrouveras des trucs. Faut pas s'inquiéter, hein, y a pas de souci de bouffe en France, hein. C'est juste que les gens, c'est des enfants, c'est. Enfin, c'est normal, hein, même moi le premier, hein, même ma famille le premier. Quand il va manquer d'un truc, bah tu vas vouloir en acheter plein, parce que tu sais que bah il en manque, tu vois. Tu vas dire, ah y a plus de pâtes, ah je dois aller acheter plein de pâtes du coup. Et après, tu te sens bien, tu sais, tu dors, t'as l'esprit tranquille. Ah, moi, j'ai des pâtes dans mon placard, tu vois. Moi, personnellement, j'ai acheté des Kinder. Parce que c'est meilleur que des pâtes, tu vois. Après, bon. Moi, j'ai dévalisé les Kinder. Voilà. Tu pourras custom des chaussures. Oui, bientôt, j'ai un nouveau concept comme ça qui va arriver. Enfin. Quand je dis bientôt, je dois d'abord recevoir la paire. En fait, là bientôt, je vous fais. En fait, sur Shadessin, il n'y a plus beaucoup de. Il n'y a plus beaucoup de vidéos en ce moment. C'est un peu con parce que c'est. Bah pour le coup. En ce moment, il y a beaucoup de vues sur YouTube, ce qui est normal parce que les gens sont confinés, donc ils regardent plus YouTube. Mais du coup, moi, j'ai pas beaucoup de vidéos en ce moment sur Chat Dessin. Mais ça va venir. Ça va venir. Ça dit, il y a des gens qui sont allergiques aux noisettes. Oui, effectivement. C'est vrai. Bah, évidemment, si vous êtes allergique aux noisettes, faites pas de stock de chocolat aux noisettes, hein. Oh non, j'ai plus d'eau. Julia, tu peux aller me chercher de l'eau, s'il te plaît? Julia, s'il te plaît. Tu fais quoi? Bah vous savez, on va commencer par quoi? On va commencer par faire les petits tutos dont je voulais vous faire. Yes, tout de suite. Et je voulais vous faire des pixel art. Je voulais vous en faire deux, donc on va peut-être commencer par ça. Mais on va pas faire que ça, je pense, dans ce live. Là, je suis motivé pour aller un peu plus loin aujourd'hui. Alors attends. Ça, ok. Vous voulez qu'on fasse qui? Allez-y, lâchez-moi les personnages. Par contre, le soleil là, c'est comment? Je vais me chercher à boire juste. Je reviens. Je vais me chercher à boire. Ah, quoique, il me reste un peu d'eau ici. C'est bon, ça va le faire. Bon, même si elle est un peu chaude, c'est pas grave.
Alors, c'est quoi les persos qui sortent là? Zoro, Zoro, oui, il y a beaucoup de Zoro, hein. Ok, on va faire Zoro. On va faire Zoro, les gars. C'est parti. Donc Zoro, on va faire avec le Z derrière. Donc le Z de Zoro comme ça. Avec son chapeau noir. Son chapeau noir et son cheval noir. Et sa cape. Ok? Parce qu'il y a eu plein de Zoro. Donc on va faire Zoro, il n'y a pas de souci. Aucun souci, les gars. Si vous voulez Zoro, on fait Zoro. Oula. Je me suis trompé, je voulais zoomer et je vous ai flouté en fait. Voilà. Zoro One Piece, je sais, j'ai compris les gars, je sais, c'est une blague. Oui, bien sûr. Jackie Brawlsar, on va le faire, oui, je rigolais, oui, bien sûr, Zoro de One Piece. Mais bon, Zoro, les gars, faut préciser, Zoro de base, c'est Zoro, Zoro. D'ailleurs, si vous avez, d'ailleurs là en confinement, si vous n'avez pas vu le film Le Masque de Zoro, bah regardez-le parce qu'il est vraiment super beau avec Banderas et Hopkins. Putain, tu m'as fait peur. Oui, j'aime bien vous troll. Non, oui, on va faire Zoro de One Piece, oui. Le regardez pas, pourquoi? Il est super bien ce film, vraiment. Donc oui, on va faire Zoro de One Piece et on va aussi faire Jackie. On va commencer par Zoro. Je suis en train de regarder. Alors Zoro, comment il est? C'est ça la question. Alors, comment est-ce qu'on va faire notre Zoro? Tiens, on va le faire ici. Et on va le faire un petit peu. Alors de base, on est sur du. Tiens, si je prends comme exemple ici. Alors déjà, vous voulez mettre de la musique ou pas? Ou on part sur un live ASMR. Enfin, pas ASMR, mais genre posé sans musique. Musique ou pas de musique? Dites-moi sur le live. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Après le reste, je connais. Donc on part. Ouais, musique, ok. Par contre, le soleil, c'est comment? Ok, c'est bon, j'ai mis de la musique. On peut faire Spider-Man aussi. Voilà, il devrait y avoir de la musique maintenant. On peut faire Spider-Man, on va faire plein de persos. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on part 1 là. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi il est... J'ai l'impression qu'il est chelou, mon critérium. Il est bizarre. Il a chopé le corona. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, Zoro. Alors, laissez-moi voir. Alors, Zoro qui a les yeux fins. Donc, pour le coup, pour ce personnage, on va partir sur un œil. Ouais, il est chelou, mon Critérium. Pourquoi il s'enfonce comme ça? Peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de mine. Ah, c'est ça. Il s'adapte en fait par rapport à la taille de la mine, tu vois. Ah bah voilà. Ok, donc là, on aura l'œil. Ensuite, du coup, Zoro, il a une cicatrice. Donc ici, on va faire... Alors, attends. Donc cicatrice comme ça. Et on fait un changement de concavité. Comme ça. Ok, ensuite ses cheveux. Alors ses cheveux, on va augmenter un tout petit peu. Parce qu'il a des cheveux de base assez fins. Musique open source. Je peux pas mettre les musiques que je veux. Fais des pixels normal. Attends, fais des pixels normal, pas pixels, s'il te plaît. J'ai pas compris. Mettez des pouces bleus. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent un petit pouce bleu. On est déjà à 50 pouces bleus. Merci beaucoup. Dessine le Choppa de Fortnite. C'est l'hélicoptère. J'ai déjà fait l'hélicoptère. Tu parles de l'ancien ou il y a un nouveau délire?
Je pense qu'on va partir comme ça. Après, il a vraiment les cheveux fins, donc en fait, j'hésite même à partir sur une tête vraiment forme de base. On va plutôt partir là-dessus, genre comme le Deadpool, parce qu'il a vraiment pas beaucoup de volume pour le coup aux cheveux. On va partir là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc pour les cheveux, on va faire juste un truc comme ça. Comme ça. Est-ce qu'on abaisse les yeux ou on les laisse aussi haut? On pourrait abaisser les yeux d'un carreau. Ouais, c'est mieux. C'est mieux et on abaisse ici un peu les cheveux pour donner un peu plus de volume. Ok, donc on fait ça. Ensuite, on a le schéma normal. Alors, je vais lui faire ses sabres quand même. Donc, là et là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 3, 2, voilà. Alors, pour les sabres, on pourrait lui en mettre un dans la bouche. Enfin, de base, on dessine pas de bouche, donc peut-être pas. De base, alors de base, il est torse nu. Ici, il a une sorte de. On va pas dessiner là cette bordure. Ici, il a une sorte de petite nappe verte comme ça. Ok. Ensuite, il a des trucs verts qui tombent comme ça. Il a un ruban rouge qui tombe là comme ça, qu'on voit aussi ici un petit peu. Tu dessines qui? Je fais Zoro vite fait de One Piece en version pixel. Et on va pas faire que de pixel aujourd'hui normalement. Que du pixel. Voilà, ici, comme ça. Les abdominales. Les deltoïdes. Les petites mains. Tout, 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 tout. Ok. Ensuite, ici, il a son truc qui tombe comme ça. Et puis là, il aura ses bottes noires. Voilà, comme ça. Ok, donc maintenant juste ces sabres, j'aimerais bien faire un petit truc. Comment est-ce que je pourrais dessiner ces sabres? Comment je pourrais dessiner ces sabres? Bourlingueur de Fortnite après, pourquoi pas? Faut voir. Ça sera quand ta prochaine correction de dessin? Bientôt, Tim. Bientôt. Pas de pub, s'il te plaît, Matpic. Dans son dos, il les porte dans son dos, Zoro? Est-ce qu'il les porte des fois dans son dos? Je crois pas, hein. Je suis en train de regarder. Est-ce qu'on le ferait pas? Est-ce qu'on le ferait pas avec la main inclinée? Comme ça. Donc là, faudrait casser un petit peu le coude. Je pense qu'on va le faire comme ça, donc du coup le pouce est là. Les doigts sont comme ça. Et on va lui faire un sabre derrière. On va lui faire un sabre derrière comme ça. Sans que ce soit en pixel. Et du coup ici, on va faire un petit manche. Voir deux petits manches qu'on revoit ici comme ça. Ok, c'est parti, au propre.
T'es trop fort, merci. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, go. Je suis bien, pas dérangé, oui. Ok, c'est bon, je suis là. Allez, alors 2 secondes. Allez, c'est parti, je remets ma cam. C'est bon, ça filme. Dessiner, c'est important, bien sûr. Profitez-en là avec le confinement. Alors, attendez, je lis un peu les messages. Le nouveau brawler, ce serait cool que tu fasses du Brawl Star, oui. Tout, 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 tout. Tuto. Non au pixel art. Alors les gars, ceux qui me disent ouais, pas de pixel art, tout ça, c'est normal que vous préfériez que je fasse autre chose. C'est juste normal, c'est plus chiant à regarder les pixel art, tout le monde, hein. C'est pas. C'est pour tout le monde comme ça, mais c'est ce qui plaît énormément en tuto derrière. Donc voilà. Mais c'est normal que tout le monde préfère que je fasse autre chose que des pixels en live. D'ailleurs, ça fait plus de vues quand je fais autre chose que des pixels. Bien sûr. Alors c'est parti. C'est bon, ça filme. Ouais. Alors, comment est-ce que j'ai fait là du coup? On va mettre un carreau ici. On va mettre un carreau en diagonale. Et on va mettre trois carreaux ici qui montent. Attends. Donc là, on est là. On est là. Un sur le côté. Quatre carreaux qui montent. Un sur le carré. Un, deux, trois. Quatre carreaux qui montent. Trois ici. Un, deux, trois. Ensuite, un, deux, trois. Quatre. Attends. Un, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire un sur le côté, un sur le côté, un sur le côté. Donc 3 sur le côté. 1, 2, 3 sur le côté. J'aurais pu écarter un peu plus, pas très grave. Ensuite, 2, 2 en dedans. Ça me motive pas à dessiner quand tu fais des pixels. Ouais, mais à côté, ça motive énormément de monde. Car c'est très facile à refaire et d'ailleurs ça se voit avec les vues, hein. Il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés à refaire les pixels que les autres trucs. Ça ne veut pas dire que je ferai que de ça, mais comprenez que j'en fasse un peu quoi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais encore une fois, c'est normal qu'en live vous préfériez que je fasse autre chose, hein. C'est normal. C'est pas une nouvelle ouf. 5, 2 en haut, 3, 5, 3, 1 en dedans ici, 1, 2, 3, 4 là, 3 ici, 3, et voilà. Alors. Ok, alors ici j'ai fait l'œil à 3 carreaux, 1, 2, 3, donc j'ai fait l'œil là.
puis l'œil ici qui se ferme. Alors, Zoro de One Piece, exactement. Zoro de One Piece. Alors, ensuite, du coup, on va dessiner un petit peu ces. Comme il est plus un like. Merci beaucoup, on est à 100 likes, on vient de dépasser les 100 likes. Merci, les gars. Merci, merci. Il a une cicatrice sur le corps aussi qu'on va probablement faire. Donc, en fait, on fait ses pecs. Ses pecs, on fait vite fait comme ça les abdos, comme ça. Alors ici on va faire son épée. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Là on va faire son tissu comme ça. Comme ça, ok, on va le faire descendre là. On va le faire venir comme ça sur le côté. Là, on va faire paraître le truc en rouge qui descend là, comme ça. Et enfin, la sorte de. Il a une sorte de robe. J'aurais pas dû du coup remonter ici les pixels. Pourquoi j'ai fait ça? Il a une sorte de robe. Donc j'aurais juste dû couper ici. Est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que c'est rattrapable? Oui, on va mettre de l'ombre dans le carreau que j'ai fait. Donc en fait ici on va couper comme ça parce qu'il a une sorte de robe encore une fois. Et on va faire apparaître juste les pieds ici en bas. Et du coup on peut déjà colorier en noir tous nos petits. Salut Andy, t'es trop le meilleur youtubeur, merci beaucoup. On va faire du Brawl Star hein, après, peut-être pas en pixel, on va voir ça. Ok? T'es le meilleur, merci beaucoup. J'ai raté quelque chose. Non, non, c'est le premier dessin que je fais là. Petit pixel art de Zoro. Après, on refait un petit pixel art. Et après, on fait autre chose. Si je suis motivé. Merci Steve. Après, tu pourras faire Sasuke
Sazuke, j'ai pas encore fait en pixel, donc ouais. Pourquoi pas? Ok. Alors une fois qu'on a ça, donc mes petites croix ici, c'est pas grave, je vais faire en sorte qu'on ne les voit plus. Ensuite, je vais quand même faire le sabre. Donc le sabre qui est assez long. Qui est assez long et là ça du côté interne. Donc en fait, il faudrait que je fasse un délire comme ça. Un délire, on le verrait là, comme ça. Alors, j'aimerais bien faire au moins, même si c'est pas un vrai pixel art, au moins des points passage, tu vois. Donc en gros, on va faire passer ça là. Enfin, plutôt là, comme ça. Comme ça. Donc là, on fait ça comme ça. Ce point-là, ce point-là. Et on remonte vers notre main. J'essaye de voir un peu le sabre comment il est. Ok, il a un petit bout comme ça. Et ensuite, on peut aussi faire les petites croix comme ça, classique. Voilà, la lame. Donc là, on fait ce point et ce point. Et on rejoint comme ça. Ok, ensuite, ensuite, donc on a dit qu'on allait faire aussi là, donc tac, tac. Voilà, comme ça. On peut. La main, est-ce qu'on fait des petits détails? On pourrait faire vite fait. Bah, de toute façon, après, là, je l'ai fait passer trop. On pourrait faire juste ça, comme ça, pour le pouce. Genre vraiment juste ça, comme ça, ici. Et là, juste là, comme ça. Ok, ensuite, on pourrait faire vite fait des petits traits muscles. Genre là, épaule. C'est tout. Et puis ensuite, on peut aussi quadriller un petit peu là. Comme ça. Et il a des petits boutons sur son truc qui est là. Tiens, on va faire comme si ce qu'on a dessiné là, les petites croix, on va faire comme si c'était les boutons. Normalement, ils sont pas du tout sur cette forme-là, mais c'est pas grave. On triche. On triche un petit peu. Ok, alors je gomme et je pourrais passer à la couleur. Tu peux faire du Fortnite, oui, peut-être qu'on va en faire, peut-être qu'on va faire pas, enfin on va sûrement pas faire que du pixel art aussi les gars. Je sais que c'est moins intéressant et moins sympa à regarder en live, bien sûr. C'est normal. Alors. Ok. On va faire du Brawl Star, ouais. Alors, du rouge. Scarlet. Et du coup, on va colorier la petite partie qu'on a là et qu'on a ici. Et c'est tout. On peut aussi mettre un peu d'ombre avec la couleur Old Red. Ensuite, il me faut genre du vert un peu turquoise.
du vert turquoise. Alors avec ce vert, on va colorier les cheveux. On colorie les cheveux, on colorie également donc ça ici, là et la partie ici aussi. Avec les boutons, on s'en fout en fait. Ensuite, l'ombre, ce sera avec la couleur Ice Blue. Donc ombre sur les cheveux, on peut venir dessiner des petites mèches comme ça. Allez, du bleu gris 5 pour nos petits boutons, histoire de différencier quand même un peu. Ensuite, le haut, on est sur du vert beaucoup plus grass green pour la partie qu'on a là. Et pour l'ombre, mint green. Donc là, on fait juste un petit côté vite fait, on s'en fout. Voilà. Alors, ensuite, ces bottes noires pour l'éclairage bleu-gris 5. Et du vert gris 5 pour l'ombre. C'est plus du bleu que du vert en fait sur le live à cause de la lumière, mais en réalité enfin c'est pas du tout les vraies couleurs. Parce que là ouais, là je regarde le retour, on dirait du bleu à 100% alors que pas du tout en fait, c'est du turquoise. C'est du vert bleu quoi. C'est vrai que sur le live c'est très très bleu. Alors ensuite, couleur bas-relief beige. Tu es méchant, très. À quand le prochain gros dessin? À quand le prochain gros dessin? C'est une bonne question. Quand est-ce que je peux faire un autre gros dessin? Ce sera sûrement dans une vidéo sur chat dessin. Sûrement. Mais du coup, je le ferai en live, hein, certainement. Je pense vous refaire un Printman Challenge. Ok, un petit peu d'ombre. Alors, t'es où? T'es là. Un petit peu d'ombre avec la couleur light orange, notamment autour des muscles. Alors, c'est un peu clair, hein. C'est un petit peu clair, mais bon, ça passe.
Ok. Ici, on passe un petit peu là sur la cicatrice comme ça. Et on fait une partie du visage. Ok, il nous manque les sabres. Alors les sabres sont en gris. Tiens, ici on a du 3. Alors, merci beaucoup Splashley pour tes 10 euros. Salut Shadi, salut. Merci beaucoup à toi. Donc bleu gris 3. Je crois qu'il a une grande cicatrice sur le torse. Alors ouais, j'ai vu ça, je l'ai pas mise. Mais on peut la rajouter si vous voulez. On peut la rajouter, y a pas de souci. Il a une cicatrice un peu comme ça. Voilà. Comment procéder pour te faire part d'un dessin à faire corriger? Alors c'est trop tard malheureusement, fallait m'envoyer ça hier. Enfin, tu peux m'envoyer pour la prochaine vidéo. Mais il fallait m'envoyer ça sur, comme j'ai dit dans l'onglet communauté, dans tous les lives avant aujourd'hui. Dans l'onglet, il fallait m'envoyer ça sur Snapchat ou Instagram. Tout simplement. Alors, on va aussi colorier ça ici, comme ça. Est-ce qu'il a un sabre d'une couleur particulière? Pas vraiment, on va tous les faire avec cette couleur, on s'en fout. Ensuite, le gris 5. Ça, on va faire ça en or. Ensuite, bleu gris 7. C'est Zoro, oui. Zoro en version pixel. Alors, il y a une petite erreur. Vous savez, c'est quoi? Quoique. Peut-être ça aurait rendu meilleur si j'aurais pas laissé de carreau d'espace ici, en fait. J'aurais collé le bras. Voilà pour toi. Merci beaucoup, Splashley. Encore 2 euros. Merci beaucoup à toi. Très gentil. Ouais, j'aurais peut-être dû coller la main au corps. Peut-être, je sais pas. C'est pas grave pour la coller, pour la correction, ça peut attendre. Bah, ça marche. De toute façon, je vous tiens au courant quand je refais un truc comme ça. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. C'est quand le soleil? Prochain concours? Je vous dirai. Chanteur rappeur, non, c'est sûr que je ferais pas, c'est pas du tout mon délire de dessiner ça. Je me suis trompé, t'inquiète. Alors ensuite, jaune et dark yellow pour tout ce qui est en or. Donc là, là, là et là. Et Dark Yellow pour l'ombre. Et ensuite, on va prendre un petit gris 1. Voilà. Vert gris 1. Merci Sébastien. Alors, il y a un décalage aussi entre l'épée. Est-ce que vous l'avez remarqué? Genre, il y a un décalage entre là et là. On va améliorer ça. Hein. Je vais pas laisser ça comme ça. Alors, pour éviter ce genre de décalage. Ce qu'il faut faire normalement sur un dessin, c'est faire bah, l'épée comme ça, même si elle traverse un élément, vous faites une lame comme ça, tu vois. Genre là, tac, tac, tu vois. Là, on est sur une lame qui se continue. Donc ensuite, on peut combler le trou en coloriant en noir, et du coup, il faut remonter un peu l'autre côté, forcément, pour que ça fasse pas bizarre. Voilà, et là l'épée se continue. Ok, est-ce que Zoro il a des yeux d'une couleur? Non, c'est bon. Ok, on est bon pour le petit Zoro. C'est parti, donc vous voulez qu'on parte sur Sasuke vite fait? Tu pourras le faire en cartoon, j'ai déjà fait les gars, j'ai déjà fait Zoro en version normale.
qui était pas mal du tout d'ailleurs. Vous tapez dessin facile, 0 euros, vous allez trouver mon dessin. Donc est-ce que vous voulez qu'on parte sur Sasuke? Je vais faire au moins 2 pixels et après on part sur autre chose que du pixel si vous voulez. Les cheveux sont pas aussi bleus que vous l'avez sur le live. En fait là, à cause de la lumière... Attendez, peut-être que si je vous vois flemme. Je vous mettrai, enfin vous le verrez sur la miniature. C'est pas bleu en fait ça, hein. C'est pas bleu comme ce que vous avez sur le live. C'est à cause de la lumière. Les gars, on fait encore un pixel, après on fait autre chose. Encore un pixel et après on fait autre chose. Mewtwo en pixel, ça peut être stylé, hein. Mewtwo en pixel, mais bon, il a déjà... Enfin, tout ce qui est Pokémon, ça a déjà été beaucoup fait. J'ai regardé, attends, Mewtwo pixel art. Est-ce que si je le fais à ma façon, ça... Ah, il est quand même super beau comme ça. Ah, il est quand même super beau. Non, honnêtement, ça sert à rien. Il a déjà été beaucoup fait, il est magnifique, donc... Attendez, déjà je prends la miniature. Après, je pourrais faire un grand pixel, mais bon. Est-ce que ça a réellement de l'intérêt? Ah, attendez les gars, on m'a appelé, c'est très important. Attendez. Allô? Allô? Je suis là, je suis là. Je suis là. En fait, Shadi, il y a un gars de 5 millions d'abos qui a regardé une de mes vidéos. Je t'avais pas dit. Non, tu m'avais pas dit hello. Mais c'est stylé, c'est qui? Est-ce que vous voulez pas qu'on fasse Sasuke vite fait? J'ai fait Sasuke ou pas? Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Sasuke qui a aussi un sabre. On pourrait partir sur Sasuke vite fait, hein. Sasuke. On pourrait partir sur Sasuke, il serait stylé, hein. Ah, il y a Ken Kaneki que vous vouliez que je fasse aussi, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, mais j'avais pas envie de faire que du pixel art aujourd'hui. Après, j'ai envie de dire, je ferai aussi un... Franchement, là, avec le monde qu'il y a, genre là, on est 100. On est 100 sur cette chaîne alors que je fais du pixel art. Donc si je fais des lives sur Chat Dessin en faisant des trucs un peu plus poussés, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait beaucoup de monde avec le confinement et tout. Donc je pense que je ferai des gros lives sur Chat Dessin au moins 2 fois dans la semaine. Pourquoi pas en faire un demain?
quoique demain non, parce que demain il y a la vidéo qui a, ah, quoique. Attendez, laissez-moi réfléchir. Sync Noodles, d'accord, hello, ça marche. Plus de pixels, si, si, si. Si, si, il y aura des pixels toujours, mais en fait, ce que je suis en train de réfléchir, c'est peut-être que je vous ferai des gros lives sur ChatDessin. En plus, en fait, du coup, je réserve cette chaîne-là pour faire des pixels, les lives sur cette chaîne, et pour faire les autres trucs, bah, j'irai sur ChatDessin, tu vois, pour faire des trucs un peu plus stylés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, tu travailles toujours? Bah, en fait, pour moi, ça change pas grand-chose, à part là, justement, mon directeur de l'hôpital, entre guillemets, où je travaille, m'a dit que du coup, on ferme. Ce qui est logique, hein. Même si moi, ça va mieux, je tousse presque plus. Bon, allez, c'est parti. Du coup, attendez, laissez-moi m'organiser. Là, aujourd'hui, si je vous fais 4... Là, aujourd'hui, si je vous fais 4 dessins, il y en aura un ce soir, deux demain, ou alors je peux faire l'inverse, genre deux demain, enfin deux ce soir, un demain, comme ça demain je peux live sur ChatDessin. Ça peut être sympa de live sur ChatDessin demain. Comme ça, le montage, je le fais vendredi, je sors la vidéo vendredi, ça peut être bien. Tu vas refaire des différents styles? Ben pourquoi pas, ouais. Franchement, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas, ouais. Vous refaire un petit différent style. Genre Mewtwo en différents styles ou quoi, ça peut être sympa. Franchement, ouais, pourquoi pas. Donc je pense que finalement, on va partir que sur des pixels. Et tout ce qui sera en dehors de pixels, ben, je ferai des lives sur ChatDessin. Je vous ferai de gros lives sur ChatDessin, exceptionnellement parce que là, bah justement, avec le confinement, on est 100 personnes là alors que je fais des pixels, tu vois. J'ai adoré les différents styles, bah je ferai ça sur ChatDessin, je pense. Jackie de Brawl Stars, bah je sais pas si je le fais en pixel ou pas en fait. Après, on peut le faire même si c'est pas en pixel en vrai. Attends, je vais regarder Jackie. Je vais regarder quand même Jackie. Est-ce qu'il passerait bien en pixel, Jackie? Et c'est quoi déjà ce qu'il a, ce qu'elle a? C'est quoi ce cas-là, là? On dirait un peu... Ah, c'est genre une... marteau-piqueur? Ah, elle est dessus de base. C'est ça? C'est un marteau-piqueur, cas-là? C'est une arme? Alors, attends. Alors, attends. C'est une arme. Il y a aussi un petit... C'est quoi le petit personnage là? Attendez, je vais vous le faire passer sur le live. C'est quoi ça? C'est quoi le personnage qu'on a là, là, ce personnage ici là? C'est quoi? C'est un skin de Tick? C'est qui Tick? Killua, j'ai déjà fait hier, Mohamed, et on te l'a déjà dit, donc arrête de spam, s'il te plaît. Merci Tatiana. Donc vous savez pas qui c'est? Les gars, Mewtwo, ça me tente Mewtwo, mais faut juste que je trouve une bonne façon de le faire en fait. Mewtwo, ça me tente de ouf. Il y a Sasuke aussi que j'avais envie de faire. Allez, on part, on va dire, allez, on part sur Sasuke. Allez, il faut bien en choisir un. Sasuke, dans tous les cas, je le ferai, donc allez, autant le faire. Allez, je pars sur Sasuke, après on voit les gars. Ça sert à rien de passer 3 heures à décider. Alors, Sasuke, Sasuke, Sasuke. Tout, 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 tout. Les gars, vous savez quoi? Ouais, non, je vais le faire demain, donc non. J'en ai suffisamment. Alors, c'est un futur nouveau personnage, d'accord.
Bon, on va faire Jackie là. On va faire Jackie, on le fera après. Mais en gros, Jackie, si j'ai bien compris, elle est. Quand elle est en mode combat. Quand elle est en mode combat, elle est comme ça, si j'ai bien compris. Ça manque un peu les créations quand même. Hein. Parce que même moi, les pixel art, voilà quoi. Disons que ça m'excite pas, tu vois. Ouais, j'ai pas une image avec si. Ok. Donc ça, c'est comme ça. Comme ça. Et là, t'as une sorte de pic. Comme ça. Ensuite, ici, t'as une sorte de. T'as une sorte de. Comment on appelle ça? Poignée? C'est des poignées, c'est ça? Vous avez des poignées ici de chaque côté. Elle a ses jambes en fait camées sur le côté. Donc on pourrait faire ses jambes ici comme ça. Ah, je pense qu'on va partir sur autre chose qu'un pixel. Hein. Je sais pas, je vois. Et ici, du coup, on va avoir de visible cette partie-là. Comme ça, et on peut faire l'autre qui est un peu plus relevé, tu vois. Donc ici, on peut faire. Comme ça, tu vois, pour montrer qu'il y a une main qui est un peu plus en rotation. Donc ça donne ça, comme ça. Et en gros, ici, il y a sa grosse tête. Avec son casque. Avec sa petite boule ici. Et elle a. Mais je suis trop con. Ça va, il est bien mon dessin? Il est stylé mon dessin ou pas? Vous le trouvez comment? Il est bien, hein? Bah alors, la petite Jackie, elle est pas mal, non? Petit dessin comme ça, ce serait stylé, non? Pas de spam, s'il vous plaît. L'estomac? Qu'est-ce qu'il y a à l'estomac? C'est quoi FF14? Final Fantasy? Non, j'ai pas TikTok, non. Ok, je garde ce petit croquis, on le fera certainement sur chat dessin. Et pourquoi pas en faire un gros dessin, genre vraiment un dessin de fou, pourquoi pas, je verrai. Fait assez barré pour le moment, Sazuke, mais je ferai un truc sur Jackie, vous inquiétez pas. Sur Jackie, si je vous dis Jackie, vous pensez à quoi? Attends, je vais voir s'il y en a qui ont le même rêve que moi. Si je vous dis Jackie, salut Jackie, ça vous fait penser à quoi? Mewtwo, oui, Mewtwo, je vais voir. Par contre, je vais te ban en fait, Olivia. Parce que faut que tu comprennes qu'un message faut le mettre une seule fois et pas 100.
Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Les gars, on est sur une chaîne pour relativement jeunes ici. Qu'est-ce que vous me racontez? Et je vois que le confinement, ça. Putain. Est-ce qu'il y en a un qui a dit à quoi je pense, à mon grand-père? Eh les gars, ceux qui doivent être en cours là, allez en cours. Hein. Alors, donc on est sur Sasuke. Sasuke avec son sabre orange. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça passe là? Ça passe? Non, non, mais si personne trouve, je vais pas vous dire. Je dois peut-être être aussi vieille que toi, mais il y a des chances, bien sûr. Ma moyenne d'âge de cette chaîne-là est plus faible que de ma chaîne principale, logique. Bon, vous savez quoi, on va le faire au propre direct, parce qu'on est fou. C'est du comprend, d'apprentissage plus soft, c'est du contenu, pardon, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, de mes lives, la moyenne elle est assez haute. Alors, attendez. Attendez, laissez-moi juste caler mon téléphone. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Trois, deux, un. Go. Peut-être on va même faire des lives. Enfin, je vais voir, je vais voir. Je vais voir. Vous inquiétez pas. Ceux qui veulent pas que du pixel, ne vous inquiétez pas. Je ne ferai pas que du pixel. Mais faut juste que je m'organise après là. Je suis live à quelle heure demain? Je sais pas. Je vais m'organiser après, je vais vous dire tout ça. Attendez, parce que mon téléphone n'est pas droit. Bon, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, c'est bon. Allez, c'est parti. Il fait chaud là, j'ai le soleil qui me. Bref. Alors. En fait, mon critérium était mal vissé. C'est pour ça aussi qu'il avait un bug. Bref. Il fait super beau de ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et là, on est sur du 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Ça filme. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 sur le teco. 1 sur le côté. 2 sur le côté. 2 en bas. 1 sur le côté. 2 en haut sur le côté. Je vais même pas laisser 1, je vais laisser 1. Donc je reprends là. Et ensuite 2, 1, 2, 1 là. Ah, du coup là j'ai fait comme ça. J'ai fait 2 là. Puis ensuite j'ai fait 1 là. C'est ça. Puis là on est sur du 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ensuite ça va aller très vite. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Les yeux, j'ai fait 3 carreaux. Donc on est ici pour les yeux. Ah, je voulais le faire avec un sabre. Je suis con. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un sabre sur une de ses mains. On s'en fout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et le sabre qui va passer en arrière, donc on s'en fout. Donc du coup... Ouais, on va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4. Ouais. J'ai fait de la merde ou pas? Oui, j'ai fait de la merde, non? Ah non, j'ai pas fait de la merde. C'est juste que là, je dois faire ça. 1, 2, 3, 4. Et là, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1. Tout va bien. Donc là, on dirait pas, mais c'est Sasuke que je suis en train de faire. Donc là, ici, comme ça, on fait sa mèche de cheveux. Comme ça. On en fait une autre petite ici. Ici, on fait pareil. Voilà. Et puis là, on en fait une autre encore avec son M. Comme ça. Et juste en dessous, on aura son bandeau. Donc oui, c'est pas des vrais pixel art, effectivement. Mais on s'en fout. Ça reste plutôt très simple à refaire. Ensuite, la petite plaquette. Le petit symbole. Voilà. On va faire des tout petits reflets dans les yeux. Ok, ensuite le sabre. Alors le sabre de Sasuke, il est plutôt droit. Donc en fait, on va le faire un peu. Je vais le faire un peu comme ça. Donc là, forcément, on va adapter un tout petit peu et on va mettre le pouce comme ça. Voilà, on va dire. Ensuite, juste au-dessus, on met ses brassards. Donc il a un t-shirt. Donc le t-shirt, les manches seront là et là. Ici, sa main classique comme ça, avec un petit brassard. Ici aussi, un petit brassard. Comme ça. Il a une veste en V qui redescend assez bas. Donc, avec un petit bouton comme ça. On peut faire ça ici pour la veste. Ensuite, il a deux bords
comme ça. Et il a une énorme corde qu'on va faire pas trop détaillée non plus, ça reste un pixel art. Légèrement. Comme ça. Voilà. Ensuite, ça ici comme ça. Et enfin ici, il a des sandales, des tongs, je sais pas quoi. On va faire ça comme ça. Donc deux traits. Et ça qui redescend comme ça. Ok. On peut colorier en noir tout le reste. C'est parti. Je comprends pas pourquoi il m'a identifié à quoi. À quoi, Andy? Parce que moi aussi j'ai pas de chaîne. Tu es le meilleur YouTuber. Merci beaucoup, Papouine. Merci, merci. T'as pas tort. T'as absolument raison, je suis d'accord avec toi. Merci, Maxime. Merci pas, pas Lolo. Il a identifié tous les modérateurs et modératrices dans son commentaire, c'est pour ça que je comprends pas Andy. Tous les modérateurs et modératrices dans son commentaire. Je comprends pas, on dit tu parles de quoi? Comptes-tu faire des box comme Jordan? Non, c'est pas dans mes projets. Je t'avoue. Après, bref, je peux pas vous en parler. C'est pas tes affaires, Shadi. Ah d'accord, ok, ça va, ça va. Je dessine, je me tais. Ah, vous parlez. Ok, autant pour moi. Autant pour moi, les gars. Je dessine, je me tais, ça marche, y'a pas de soucis. Donc c'est Sasuke pour ceux qui n'auraient pas reconnu encore.
Mes yeux me piquent, ok. Ensuite, tu regardes Naruto? Non, je ne regarde ni Naruto ni One Piece. En vrai, là, en ce moment, je regarde pas du tout de manga. Mais j'aime beaucoup dessiner tout ce qui est manga. Mais on n'est absolument pas cadré là-dessus aussi, putain. Elle est très droite, mon sabre là. Il est très droit. Regardez-moi ça. Il est très très droit. Alors, comment on rattrape ça? Ben, en fait, on triche. On fait ça comme ça. Ici, on fait ça. Et ensuite, on va faire ça comme ça. Ah, c'est un peu chaud. Et là, on a l'impression que c'est plus droit, alors qu'en réalité, voilà quoi. On est bon, on peut passer à la couleur. J'étais pas du tout dans le cadre. On passe à la couleur. Même Shadi veut pas quoi? Allez, c'est parti. Couleur violet. Je vais galérer encore à trouver cette couleur. Non, ça va. Donc, couleur pastel violet pour la corde. On va pas mettre d'ombre, flemme. Ensuite, du bleu. Donc, du bleu, il faut un beau bleu marine. Ça, c'est un peu foncé, peut-être un peu plus clair, genre ça. Ouais, nickel. Cerulean Blue. Alors, avec ça, on va colorier. C'est parti ici. Il a autre chose en bleu? Non. Est-ce qu'on colorie aussi le bas? Ouais, on va colorier aussi là. Et on doit aussi faire les bords avec ça. Il y a un truc de gomme là en dessous, ça rend ouf. Et on peut faire ici sur les cordes des petites hachures comme ça, juste pour mettre un peu de texture. C'est un pixel art. Disons que tout le monde sait faire ça, je pense. Ensuite, on peut mettre un peu d'ombre avec un bleu un peu plus foncé. Tout petit peu. Ensuite, on va utiliser la couleur peau. Donc pour ça, je vais utiliser. Alors, problème, c'est que du coup, il y a un petit peu trop de diff avec ça. On va utiliser la couleur Barley Beige. Et on va colorier les petites orteils. Faut pas oublier qu'il est en sandales. Donc voilà. Ensuite, les mains. Ensuite, les avant-bras. Voilà. Et enfin, la tête. Et ici, le torse aussi. Donc là, je vais utiliser une autre couleur. Je pense que ça fera le taf. Couleur sand pour mettre un tout petit peu d'ombre.
un peu d'ombre sur les orteils et les pieds. Ok. Ensuite, du. C'est quoi ça? Pense. Ouais. Même si c'est un peu plus du froid. Non, on s'en fout. Attends. Non, c'est du chaud. Gris chaud 1 et on va colorier tout son haut. Son bouton, on s'en fout. Et ensuite, gris chaud 3 pour l'ombre. Par contre, la musique, c'est normal là. Moi, je suis de Oujda. Tu connais? Non, je connais pas Oujda. Je t'avoue. Tu pourras faire Tanjiro, bien sûr. Bien sûr que je pourrais faire Tanjiro, évidemment. Gris chaud 5, gris chaud 7, et avec ça on va colorier les cheveux, mais pas que. Alors avec ça on va colorier ici nos brassards. On va colorier aussi. C'est un peu du bleu ce qu'il y a en dessous. Donc en fait on va colorier un petit peu là. Et on va colorier les cheveux. Donc les cheveux. Les cheveux, on va tout colorier, je pense. Gris chaussettes. Ensuite, avec le bleu foncé, on va colorier son petit ruban. On va colorier ici, en dessous, son caleçon. Du gris froid 1, enfin c'est du vert gris 1 en vrai, et du 3. Pour le bord, ce sera du 7, ce bord-là. Ensuite, on utilise pareil le 1 pour cette zone-là, le 3. Ça suffit, hein. On est sur du pixel art. Et on a fini? Est-ce qu'on a fini? Bah, il y a moyen, ouais. Bah, ouais, les gars, on a fini. Petit Sasuke pixel art. Ruello. Bah, écoutez, ils sont cool, hein, les deux petits pixels qu'on a fait. Donc, on a fait Sasuke et Zoro. Plutôt stylé.
Faut que je prenne la miniature. Il commence à faire nuit, hein. Il commence à faire nuit. Je vais prendre la miniature vite. Attends. Attendez 2 secondes. Ok, c'est bon. Après, je peux comprendre. Il y a dessin. Alors, comme toujours, hello. Pourquoi il y a quoi? Tu pourras faire Shira de Fire Force. Je compte faire du Fire Force, ouais. Ça va et toi, Witten? Bon, les gars, ça fait 1 heure. Mais je pense qu'on va faire un peu plus de. Ah, quoique. Au pire, demain, je termine par ça. Bon, les moyens que je fasse ça. Oui, j'ai vu Fabien, enfin, je crois avoir vu. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de lumière. Donc, soit je vais chercher mes fausses lumières là. Soit. C'est quoi le temps demain? Normalement, jeudi, vendredi, samedi, il va pas faire beau. Donc, je pourrais vous live et je pourrais faire un max de vidéos à ce moment-là. Ok, les gars, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, comme je vous ai dit, il y aura au minimum tous les jours un petit live comme celui-ci. Ok? Tous les jours, au minimum, il y a un petit live comme celui-ci. Si je vous fais un gros live avec des gros dessins, plus gros, on va dire, que des pixels, des trucs comme ça, je vous fais ça sur ChatDessin. D'accord? Donc, il y a de grandes chances que dans les prochains jours, il y ait des gros lives sur ChatDessin. Je pense que je vous ferai ça demain. Je veux voir en fait le nombre de personnes qu'il y aurait à la limite si je fais des gros dessins sur. Si je fais du. Toujours du pixel. Alors comme j'ai dit, sur chat dessin, je ferai très peu de pixels en tout cas. Sur cette chaîne-là, il y en aura plus. Sur chat dessin, beaucoup moins en tout cas. Tu la tournes quand la vidéo? Tu corriges une autre dessin? Je devais la tourner cet après-midi, mais il y a eu trop de soleil, donc je vais la tourner sûrement demain. Ensuite, le temps de faire le montage, peut-être que la vidéo arrivera genre vendredi, tu vois. Et moi, je vais essayer de faire des lives sur ma chaîne principale quand même dans les prochains jours. Parce que là, avec le confinement et tout, ce serait dommage. Il y a moyen de faire de beaux lives. Pourquoi pas reprendre un peu de dessiner ses gagnés, des trucs comme ça, des concepts qui plaisent. Voilà, c'est faut en profiter, ça va vous casser l'ennui un petit peu. Donc je pense qu'on va, je vais refaire quelques gros lives sur ma chaîne principale. Ok? Je vais voir avec Filmora, peut-être qu'ils seront sponsors, comme ça je donne tout, tu vois. Je vais voir ça. Alors. Voilà, nickel. Ok, je vous laisse là. Donc là, c'est un petit live. Mais vous aurez au moins un live tous les jours. D'accord? Au moins un live tous les jours avec au moins bah, 2 tutos comme ça. Ça vous permet de. Non, il n'y a pas d'heure. Franchement, il n'y a pas d'heure. Donc faut activer la cloche. C'est pas. Je te dis pas comme ça. C'est vraiment qu'il n'y a pas d'heure en fait. Ça peut. Je peux live à n'importe quelle heure. Mais il y aura au moins un live par jour. Et comme je vous ai dit, je pense que comme c'est le confinement, j'essaierai de vous faire de plus gros trucs. Ok? Des gros lives sur ChatDessin dans les prochains jours. Ok? Ne pars pas, ne pars pas, reste, reste, reste. Non, ça y est, je pars, mais comme je vous ai dit, je reviens demain. Quoique, est-ce que je ne regarderai pas pour ça? Quoique, laissez-moi m'organiser vite fait, peut-être que je pars pas tout de suite. Laissez-moi m'organiser vite fait. Je coupe mon son pour aller tout seul comme un con, donc.
je suis là, bon verdict. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Alors, tu peux faire Tanjiro de Demon Slayer en pixel art. Oui, je le ferai. Qu'il m'a dit des méchancetés sur vous. Ah ouais? Les gars, je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'il est 19h. Il faut que je vous montre les deux vidéos que je vous ai faites. Il faut que je les poste sur mes chaînes. Et il faut que je range ma chambre. Et que je vous fasse une photo aussi. Donc, je vais m'arrêter là. Par contre, je pense qu'à partir de demain, enfin, je pense que clairement, il y aura de gros lives. Non, 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 non. Si, si, les gars, si. Mais encore une fois, je pense que je vous ferai des gros lives et pas des petits lives comme ça sur Chat Dessin. D'accord? Sur Chat Dessin. Pourquoi? Parce que, alors que je vous avais dit que j'allais plus avoir de live, tout simplement parce que c'est le confinement en fait. Donc, on fera de gros lives assez souvent, ok? Quand je vous fais des petits lives, je viens sur cette chaîne. Et quand je vous fais de gros lives, ce sera sur ma chaîne principale. D'accord? Ça vous va? Enfin, j'imagine que vous allez me dire non, mais... Voilà quoi. C'est le programme. D'accord? Et vous allez aussi avoir la vidéo où je vais vous corriger les dessins qui va arriver normalement vendredi. Demain, il y a des chances que je fasse juste un petit live. Attends, demain du coup il y a des chances qu'on fasse juste un petit live. Parce que du coup, faut que je fasse la vidéo, faut que je la monte. Vendredi, je termine le montage. À la limite, vendredi, je peux partir sur un gros live. Live rangement de chambre. Ouais, je vais faire des vlogs, Julien. À la limite, vendredi, je peux partir sur un gros live. Bah non, je suis con parce que je vais mettre la vidéo. Donc samedi plutôt, ce week-end, plutôt. Ok? Tu fais ton gros live. Pas bah, finalement, non, non, tu vois. Il y a des chances que ce soit ce week-end. Je pense qu'on va faire du dessiner, c'est gagner. Enfin, les concepts qui fonctionnent bien en live. Ok? Et je vous fais des bisous. Mais il y aura au moins un live tous les jours. Même si c'est des petits lives que je vous fais, c'est des lives de 1 heure, 1 heure et demie. Mais ça reste mieux que rien. Donc voilà. Il y aura au moins un live tous les jours. Et là, on se retrouve demain, du coup, pour un autre live. Ok? Merci beaucoup. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. Ciao.